Précédemment, dans Les Sims 4, Eric Lafleur. Bradley est désormais une star. Elle va sortir son premier CD et paraître sur scène dans les prochaines semaines. Sachez qu'il y a beaucoup à faire à Oasis Springs. Jamais nous n'avons traversé une telle crise de délinquance. Oh. Ici, les gens sont très indisciplinés. Et à la une de l'actualité en ce 20 avril 2019, la commune d'Oasis Springs baigne dans l'horreur. Les citoyens d'Oasis Springs en ont marre. Marre de ces étrangers qui leur volent leur emploi et leurs ressources. Cette violence est nécessaire. Et voici votre nouveau lieu de travail, Monsieur Lafleur. Un commissariat digne de votre talent. Quoi ? J'ai même un bureau. Oh, mon tout premier bureau. Me against the world. Nothing to lose. It's me against the world, baby. I got nothing to lose. It's just me against the world. Fucking again. Me against the world, baby. More bodies being buried. I'm losing my homies in a hurry. They relocating to the cemetery. Got me worried, stressing my business worried. The question is, will I live? No one in the world loves me. I'm headed for danger. Don't trust strangers for running the chamber whenever I'm feeling this anger. Don't wanna make excuses, but this is how it is. What's the use unless we're shooting? No one notices the you. It's just me against the world, baby. These are the days of our lives. It's me against the world. Trying to survive. Me against the world. Oh, Seigneur Jésus, je vous en prie, libérez-moi de ce supplice. Oh putain, ça fait du bien de chier. Allô, Eric Lafleur à l'appareil, commissaire d'Oasis Springs. Eric, j'espère que les installations vous conviennent. Carrément. Écoutez, j'ai organisé une journée de recrutement. Les candidats ne vont pas tarder à débarquer. Oh génial, j'ai toujours rêvé d'être patron. Ne vous emballez pas, je ne suis pas disponible jusqu'à l'émission de ce soir. Bon bah je ferais mieux de désodoriser les chiottes. Ben, je suis diplômé en biologie. À la Midtown High School, à New York. Ouais, t'as pas d'expérience, ouais, quoi. Vous portez une bien jolie robe. J'espère que ça n'est pas discriminatoire. Présentez-vous en deux mots. Je suis neuroatypique et... j'aime bien les motos. Pour commencer, j'ai été formé au port de pistolet de type CZ-P07, calibre 9-19. Et bien sûr, je maîtrise le Krav Maga. Eh bien, vous m'avez tout l'air de la candidate idéale dans ce cas, oui. Oh, mais oui, je me souviens. En primaire. On était à l'école ensemble. Ça ne te dérange pas si je jette mon casse-croûte dans ta poubelle? Ah, pas de soucis, fais-toi plaisir, Patrick. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Vous savez, j'adore voyager. C'est si enivrant. Je ne vis que pour ça, à dire vrai. Ah, oui, je vois. Vous aimez les croisières? Oh non, les croisières s'amusent. Perso, j'ai toujours préféré Alerte à Malibu. C'est marrant, quand j'ai vu ta tronche, j'ai cru que t'étais chinois. Mais quoi? Mais pas du tout, mon ami. Moi, je suis bitérois, de Béziers dans le sud de la France. Ah, c'est pas vrai. Je te rassure, j'adore les nems à la crevette, la K-pop, et j'ai même un K4 Toyota. Ah, d'ailleurs, je te recommande plutôt Toyota que Mitsubishi. Bon, viens t'asseoir, mec. Alors, sur ton CV, je peux lire que tu t'appelles PT. Donc j'imagine qu'en vrai, ça se dit Peter. Mais en français, ça donne ouais, PT. Bah quoi, t'es pas d'accord? Dis quelque chose. Enfin, J'invente rien, terminaison ER, infinitif, ça donne E, donc pété. C'est n'importe quoi. Oh, mais je blague, Peter, t'as pas le sens de l'humour. Bon, écoute, Peter, un poste de médecin légiste. Vous êtes sérieux? Ça te branche? Mais évidemment. Mais j'ai oublié de te dire que je suis un spécialiste en aranéologie. C'est quoi ce truc? Ben, j'étudie la classe des arachnides. Oh, c'est trop compliqué pour moi, allez, Ous, je te rappelle bientôt. Eh bien, oui. Je suis réunionnaise. Ça vous embouche un coin, n'est-ce pas? Mais carrément! On va pouvoir faire des compétitions de qui boit le plus de rhum en un temps limité! C'est génial! Tu sais, Philippiane, ta calvitie n'est pas un souci. D'une, parce que tu peux porter ton casque de motard, donc ça ne se verra même pas. Oh. Pourquoi tu penses que les Daft Punk portent un casque sur scène? Ça m'évitera un transfert de plasma sanguin. Bon allez, mon garçon, allons voir ta moto. Vous allez pas te déçu. Vous savez vous servir d'un bazooka? Évidemment! Déjà pris part à des oui. courses-poursuites? Fais chanter des innocents! C'est ma spécialité!
Enfin... Oh, mais c'est carrément génial. Vous êtes la recrue parfaite. Merci. Je mets votre CV en tête de liste, Margot, et je conserve votre 06. Non pas pour vous harceler, mais pour vous recontacter pour un test de validation de vos acquis. Ah, enfin, bon candidat. Arrête, c'est pas vrai. Je te jure que oui, Eric. Ah bon, d'accord. C'est vrai que j'avais un peu de mal à m'imposer à l'école primaire. Tu te faisais même taper par les filles. Je te prends ça pour graisser ma moto, hein. Ouais, bon, ça, c'est normal, hein. Qu'est-ce que tu... Ouais, elles sont tenaces. Entre Bruce Lee et Jet Li, tu choisis qui? Ben, quitte à choisir, Pamela Anderson Lee, hein. Bon choix, la vraie est géniale, pas celle avec les nénés à base de silicone. Sachez qu'en tant que Mauricien, j'aime mes frères et sœurs de l'île de la Réunion. Oui, cool. Mademoiselle, j'apprécie votre détermination, mais réfléchissez bien, il se peut que votre mode de vie soit... Vous en faites pas pour moi. Hein? Je serai force de proposition. Ah ben d'accord, très bien. Oh bordel, il me faut son 06, ou son 07. Fais chier! Oh ça, je suis en colère! Pourquoi ça m'arrive à moi? Il a fallu que je tombe sur un putain de bon à rien! Bradley, honey, why don't you calm down? Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me défouler! Ok, then. T'en fais pas, elle va finir par se calmer. Vous croyez? Oui, elle est un petit peu impulsive. Elle a toutes les raisons de m'en vouloir, ce salopard de mère avec ses grands discours. Toutes ses promesses envolées. J'avoue que le maire est un enculé, mais pourquoi pas retourner à San Michino? Là-bas, les propositions pour Bradley ne manquent pas. Il faut pas rester sur cet échec. Tu sais, depuis que je me suis mis à Slim Fast et que je refais du sport pour avoir un joli cul comme avant, j'arrête de me plaindre tout le temps. J'avoue que votre prise de poids a été radicale. Bien, venez par ici tout le monde. Place au test ultime. Le dunk de l'île Maurice. Désolé, mais ça sera sans moi. Hein? Margot, reviens ici, voyons. T'en fais pas, ça sera pas éliminatoire. Oh, et puis, merde. Les autres, changez-vous. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Jolie tenue, Jason. Je dois faire honneur à la réunion. Aïe! Oh, merde. Dommage, Samandina. Tu y étais presque. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Encore raté. Il lui faudra un casque. Laissez-moi faire, si vous voulez bien. Le basket, c'est pas sorcier. Et voilà le travail. Wow! Je suis très impressionné, mademoiselle. Bien joué. Voilà ce que j'attends de vous. Que la force du Mauricien soit en moi. Bon, allons-nous désaltérer maintenant. Rampe parti pour tout le monde. Bradley, c'est bon, tu ne fais plus la gueule? On peut discuter maintenant? Oui, mais Madame Rihanna, faut quand même se mettre à ma place. What? À la place de quoi? Ton agent n'y est pour rien du tout, voyons. Ce soir, en exclusivité nationale, Samantha Rose reçoit le maire d'Oasis Springs, Matthew Edmond, et son opposant aux prochaines élections municipales, Bal A. Ashiot. Ce débat s'annonce passionnant et bien sûr déterminant, mesdames et messieurs. J'ai un mauvais pressentiment. On m'avait promis un super concert avec... une foule en délire. Yeah. La gloire, quoi. I know, honey, mais tu vides ta colère sur la mauvaise personne. Ce n'est pas la faute de ton agent. C'est le maire qui n'a pas respecté sa parole. Tu dois dire à Eric d'abandonner ses fonctions. Elle est encore temps de rentrer à San Michino. J'y ai pensé, bien sûr, mais j'ai peur qu'il refuse. Et si c'est le cas, je ne sais pas ce qu'on deviendra. Lui et moi. Je comprends, mais tu dois te poser la bonne question. Qu'est-ce qui est plus important? Le gros kiki de ton Mauricien ou bien ta carrière de star? Dites, vous êtes sûr que vous voulez pas changer de chaîne? Il y a le remake de Charmed qui passe sur M-Sims. Ça vous dit pas, hein? Et pourquoi pas le Tour de France? Monsieur Ashiot, vous êtes convaincu que votre domicile a été pris pour cible par Monsieur Edmond? C'est exact, oui. Vous avez même déposé une plainte. Vous confirmez cette rumeur? Un mensonge de plus. Non, c'est vous le menteur. La vérité, c'est que Monsieur Ashiot répand la violence partout autour de lui. Il ne faut pas s'étonner qu'on s'en prenne à lui. Vous ferez bientôt moins le malin, Monsieur Edmond. On dirait que ça commence à devenir intéressant. Bientôt la vérité éclatera au grand jour, et vous vous retrouverez derrière les barreaux. Où allez-vous comme ça? Vous n'êtes qu'un lâche, Ashiot. Bordel, quelle émission de merde. La suite au prochain épisode. Comme on dit... That's right. I know it seems hard sometimes, but remember one thing. Through every dark night, there's a bright day after that.
So no matter how hard it gets, stick your chest out, keep your head up, and handle it.